Quand le mal-être de la jeunesse déferle sur l'hôpital, avec quelques mois de retard sur la vague du Covid, c'est une toute autre souffrance que soignent en ce moment les services psychiatriques en charge des enfants et adolescents. Arthur Mbaché, bonjour. Bonjour. Vous avez visité le service de pédopsychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, où les patients sont de plus en plus nombreux. Et en première ligne, face à ce qu'ici on appelle la troisième vague psychique, il y a à l'accueil de ce service de pédopsychiatrie Catherine qui passe sa journée à répondre au téléphone. Là, on peut en avoir 10 d'affilée et 10 plus urgents que les uns que les autres. Parce que j'ai beaucoup de familles en pleurs, hein, on vous téléphone aussi. Donc la dernière, c'est l'appel d'une maman dont le petit garçon est rentré chez lui en disant à sa maman « Est-ce qu'il faut que je me suicide ?» Les médecins ici parlent d'une détresse inédite des enfants et des adolescents. Je vous donne deux chiffres. 3 fois plus de prise en charge d'ados anorexiques, passage à l'acte suicidaire, plus 20%. Arthur, la cause de ces chiffres que vous nous donnez, c'est bien la crise sanitaire. Confinement, couvre-feu, cours en distanciel, pas de sortie, isolement, solitude, pendant des mois, ils ont pris sur eux, dit la pédopsychiatre Julie Rowling. Et c'est maintenant que ça explose, effet cocotte-minute, dit-elle. Par exemple, certaines tentatives de suicide très graves, comme les tentatives par pendaison, habituellement on en a quelques-unes par an, et là on est déjà, depuis le début de l'année, à 4 tentatives de suicide de ce type. Samedi, j'étais d'astreinte, j'ai pu voir une adolescente qui était à son 4e passage à l'acte suicidaire. Habituellement, cette patiente aurait été hospitalisée dans notre unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Là, il n'y avait pas de place. Donc la deuxième possibilité, c'est l'hospitaliser dans un des services de pédiatrie qu'on appelle les grands enfants. Là encore, du fait que la majorité de leurs lits étaient occupés par nos patients en attente, eh bien, finalement, on lui a trouvé une place dans un lit de chirurgie en pédiatrie. C'était, je dirais, la solution la moins catastrophique. Voilà, difficile à croire, des chirurgiens pour s'occuper d'une ado qui a tenté de se suicider. La pédopsychiatrie est saturée, sous l'eau, comme l'étaient les services de réanimation au printemps dernier. Il nous faut, disent les équipes, des moyens et du personnel. La pédopsychiatrie saturée comme les services de réanimation. Arthur Mbaché en ligne de Strasbourg pour Europe 1. Merci Arthur, j'ai noté ces chiffres que vous donniez à l'instant aussi. 3 fois plus de prise en charge d'anorexie et une hausse de 20% des passages à l'acte suicidaire.